Bonjour, moi je m'appelle Ronak, je fais partie d'une organisation française qui s'appelle l'EITEC, qui n'est pas très connue, c'est l'Association internationale des techniciens, experts et chercheurs, qui est une des organisations fondatrices d'ATAC. Et donc je suis là pour aider à l'organisation du Climat Forum, qui se tient globalement ici, sur ce grand site qui a été prêté par la municipalité de Copenhague. Et le but, globalement, c'est de leur filer un coup de main et également de rassembler les contributions les plus importantes pour contribuer à l'évaluation et puis peut-être éventuellement à des actes du Climat Forum, enfin à ce qu'il y ait une mémoire de cet événement-là. Voilà. Ok, donc ici en gros c'est le bureau principal du staff du Climat Forum avec la plupart des personnes qui bossent pour nous. Donc de plus en au début c'était assez vide et puis là maintenant que les échéances se rapprochent on a de plus en plus de monde donc c'est plutôt sympa. Ça marche. Donc voilà, ici on est face à la gare principale, donc que vous voyez derrière vous. Et quand vous viendrez au Climat Forum, vous arriverez ici, donc au Digibune, qui est le bâtiment en fait principal où se tiendront les principaux ateliers du Climat Forum, qui est un gros complexe sportif. Où il y aura entre 7 ou 8 salles, peut-être plus, on est en train de négocier, on ne sait pas encore, mais donc voilà, essentiellement les choses se dérouleront dans ce bâtiment-là. Donc derrière vous, vous voyez ce qui va être la salle principale du Climat Forum. Donc pour l'instant c'est une salle de sport mais elle va être aménagée bien sûr quand vous arriverez. En fait c'est une salle où on peut mettre 1500 personnes et c'est une des deux salles où on aura du matos pour faire de la traduction. Donc c'est plutôt pas mal et donc voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire là-dessus. Il y aura des concerts et il y aura les grandes plénières, enfin les conférences les plus importantes qui se dérouleront dans ce lieu-là.